Mes chers amis, bonsoir, que vous soyez gilets jaunes ou pas, bonsoir, merci de me retrouver comme tous les soirs, même si je suis KO, mort de fatigue, eh bien je suis là quand même parce que je me suis mis un point d'honneur à donner un live tous les soirs, malgré que vous me voyez en coulisses hein, sur mes groupes Messenger, hein, vous pouvez me rejoindre, j'ai différents groupes Messenger. Je n'arrête pas de la journée, hein. Ceux qui me suivent sur les groupes m'ont vu toute la journée m'exprimer, partager, des fois même contrôler, mais sanctionner aussi, hein, parce que c'est quand même en mon nom que beaucoup de choses se passent dans ces groupes. Il est hors de question qu'il y ait la moindre participation à des fake news, des rumeurs ou à tout type d'insultes ou que sais-je d'agressions. Donc voilà, aujourd'hui il y a eu pas mal de mise au point et c'est tout à fait naturel hein, dans n'importe quel mouvement, n'importe quelle révolution, il faut garder que les personnes solides à la fin, hein, les personnes les plus humbles, hein. L'humilité est une très très grande qualité, hein. L'ego est très mauvais conseilleur, et donc voilà, ça pour moi c'est une qualité essentielle. Les personnes qui ne sont pas capables non seulement de respecter des règles, mais surtout d'écouter des critiques, de les entendre. Je pense que c'est une perte de temps hein, de vouloir s'engager, que ce soit dans un groupe ou dans une démarche collective. Voilà, mes chers amis. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, je vais vous demander un instant pour que je fasse mes petits partages. Et ensuite, on va continuer. Alors il y a tellement, effectivement, beaucoup d'actualités à traiter, mais on va survoler un maximum. Hein. On va évoquer un maximum de sujets. Alors, alors j'ai partagé dans quelques groupes Messenger, mais des groupes Facebook, bah c'est reparti comme en 14, j'ai envie de dire, je suis interdit de partage. Alors, on va commencer, je vous saluerai dans quelques instants. Alors, je vais commencer par eh bien, l'actualité la plus récente. C'est donc le boxeur Christophe Dettinger donc, qui a été condamné et donc je vais vous dire exactement comme je vous l'ai publié hein, vous savez ceux qui suivent mon Facebook donc il a été condamné à 30 mois de prison dont 12 mois ferme, d'accord? Donc je vais vous mettre 2-3 vidéos de ce qui s'est donc passé à l'intérieur. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour illustrer le contexte, on va faire ça. Donc les manifestants ont été ont laissé leur joie s'exprimer, hein. Alors, entre nous, oui, pour que Christophe entende le soutien, mais non, parce que franchement, moi je vois pas où est la victoire, hein.
Ah, vous êtes tous. Alors, on écoute, on regarde plutôt. Ah, vous êtes tous. Ah, oui. Alors, mes chers amis, mon avis, il est clair, hein, je n'ai cessé de le donner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Christophe Dettinger? Christophe Dettinger, l'hypothèse, parce qu'il y a deux possibilités que je les ai dites immédiatement. J'ai donné mon analyse, je crois, le soir même. Et donc, deux hypothèses que j'ai évoquées. C'est soit un agent du système, soit un, ce qu'on appelle, hein, il n'y a pas de manque de respect, hein, mais c'est un terme qui existe depuis que Churchill l'a utilisé, soit un idiot utile. Hein. L'un ou l'autre, il n'y a pas une autre possibilité. Moi, avec le temps qui est passé, j'ai plus tendance à être à l'aise avec l'hypothèse de l'idiot utile. D'accord? Pour moi, on est plus dans dans une personne, malheureusement, qui a été instrumentalisée, à mon avis, sans qu'elle n'en prenne conscience, y compris aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si un jour, Christophe pourra calmement faire sa propre analyse, revoir ce qui s'est passé dans sa vie les 6 derniers mois, peut-être même les 2 dernières années, parce que c'est des choses qui se font dans le temps, hein. C'est les actions des services secrets, hein. Et aussi des sociétés secrètes, hein, parce que c'est les mêmes, hein, les services secrets et la franc-maçonnerie sont on va dire, deux mouvements, deux corps, deux organisations, deux services, deux institutions totalement perméables. Hein. Voilà, parce que sinon, si les services secrets ne sont pas au courant des agissements de la franc-maçonnerie, il faut qu'ils changent de métier. Donc c'est l'un est au service de l'autre, si vous voulez. Et donc voilà ce qui s'est passé pour ce malheureux boxeur, hein. C'est que bon, ils ont joué avec lui comme ils savent très bien faire, ils savent très bien jouer avec plusieurs personnes. Moi, j'ai tendance toujours à penser à ceux qui commettent, que ce soit des attentats ou que ce soit des menaces d'attentats, ou enfin tout ce qui est, tout ce qui permet aux politiques et aux médias d'avoir du grain à moudre. De quoi faire monter des feuilletons et de mettre des personnes, on va dire, pas très alertes, qui se sont fait piéger, hein, parce qu'il s'agit de se faire piéger, qui se sont fait piéger malheureusement en prison. Il ne s'agit pas uniquement de ceux qui ont commis des attentats, tous ceux à qui on a fait croire par des rencontres que. Ce serait bien d'être à tel endroit on est tombé sur eux parce que, je ne sais pas, ils avaient ce qu'il fallait pas dans leur bagnole, peut-être une arme factice, etc., et ça a permis aux services de l'État de se féliciter, aux médias de féliciter les services de l'État et aux différents services de renseignement, de police, peut-être même
des militaires de s'applaudir et de dire que des filières ont été démantelées, alors que des filières, je parle bien terroristes, là pour le coup, ont été mises à nu, des cellules ont été des cellules ont été explosées, hein, alors que au final tout a été instrumentalisé dès le départ, et on a utilisé des personnes, malheureusement on les a manipulées, et ceci prend du temps, hein, parce que vous êtes comme ça dans votre vie et vous faites des rencontres, vous pensez que tout est spontané, naturel, hasardeux, mais il n'en est rien, hein. Le hasard intervient vraiment très peu, hein, en réalité. Il n'y a pas autant de hasard dans la vie, pas autant que vous voyez dans les médias surtout, et pas autant que vous pouvez le constater. Par exemple, quand vous voyez une recrudescence incroyable d'actes, par exemple, antisémites, je parle dans les médias, quand vous voyez les médias parler tous les jours d'actes antisémites, comme aujourd'hui j'ai mis l'info, par exemple, ça a permis de faire un feuilleton. Il y aurait eu un tag antisémite, raciste, homophobe, enfin c'était la totale, contre Mbappé, le footballeur Mbappé, dans une rame du RERC, si je me souviens bien. Donc c'est un tag, hein, c'est pas Mbappé qui a été agressé. Eh bien, ça a permis de faire toute une série de spéculations, d'informations, hein, qui n'en sont pas une, d'informations, de feuilletons, pour dire que la SNCF va porter plainte. Oyez, oyez, la SNCF va porter plainte, c'est même pas l'intéressé, hein. La SNCF va porter plainte contre un tag, hein. Si vous savez le nombre de tags qu'il peut y avoir un peu partout, tous les jours en France, si vous imaginez un instant que écrire un tag, c'est d'une banalité absolue pour une personne qui va, par exemple, le faire masquer, elle ne pourra jamais être retrouvée parce que vous mettez même pas vos empreintes, hein. Et si vous savez le nombre d'affaires de tags qui ne seront jamais élucidées, vous comprenez le fait que les médias n'auraient jamais dû signaler des faits pareils, ni la SNCF n'aurait jamais dû faire autant de publicité. La SNCF porte plainte tous les jours contre des tags. Franchement, il y en a qui sont beaucoup plus, on va dire, menaçants, hein, contre, par exemple, contre les manipulateurs du gouvernement, hein, contre la police aussi, hein. Moi, bon, bah, j'ai travaillé dans le métro, je sais, hein, il y en a tous les jours, hein, partout. Et bon, ben ça, c'est le problème, c'est que le peuple n'est pas entendu par ses gouvernants. Donc, bon, ben, il y en a qui trouvent un moyen d'expression dans ces tags. Alors, vous avez des informations tous les jours, là, hein, depuis quelques jours, sur des faits. Des tags, etc., antisémites. Nous avons un arbre qui a été donc planté en mémoire de Ilan Halimi, qui a été scié, hein, coupé. Là, effectivement, n'importe qui aurait pu faire ça, n'importe qui, y compris, hein, des personnes à qui le crime profiterait. Il faut toujours voir à qui profite le crime. Vous allez voir, vous allez comprendre la suite. Et donc, il y a eu en plus une croix gammée sur la boîte aux lettres de Simone Veil. Ben, vous voyez, comme par hasard, tout arrive comme ça, juste au bon moment, ce qui permet, hein, ce qui permet au gouvernement d'arriver avec une petite proposition donc de loi, ce qui permet d'être solide dans sa démarche.
pour les personnes effectivement qui ne sont pas éveillées, hein, elles voient une succession d'événements, donc il y a une acceptation. Il y a une acceptation d'une soi-disant réaction politique à l'événement. C'est comme si le gouvernement n'avait jamais pensé depuis ces dernières années, ni depuis l'éclatement du mouvement réussi des Gilets jaunes, qui est leur cauchemar, malgré que beaucoup d'entre vous, malheureusement, pensent que tout est maîtrisé, qui est un cauchemar absolu pour l'État profond, mais aussi pour le gouvernement, et même de par le monde. Hein. Le monde regarde la France, comme si tous ces gens qui sont très inquiets, qui sont le gouvernement, l'État profond, la franc-maçonnerie, les services secrets, les services de renseignement, les services... comme si tout ce beau monde-là n'avait pas fantasmé de réguler, censurer, diminuer la force de frappe de l'information sur les réseaux sociaux comme elle est en train de vous le faire ce soir encore votre serviteur, comme si ils n'avaient pas essayé par tous les moyens de trouver une parade pour filtrer, censurer, encore une fois, faire taire la parole libre et l'information libre, hein, parce que les journalistes, les médias ne sont pas libres. L'information libre qui, pour l'instant, vous ne pouvez la trouver hein, que malheureusement, que sur Internet. Et vraiment, il faut fouiller beaucoup parce que il y a beaucoup de fake news et de tourneurs en rang, de faux chercheurs de vérité qui participent hein, à noyer ce très très peu d'informations et de messages d'éveil vérifiés, solides et qui tient la route. Et donc, voilà, si... la conséquence, elle est assez évidente. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ceci, qu'est-ce qu'il va voir à l'écran? Il va voir que ces derniers jours, on a une succession d'actes antisémites. Hein. Et il va voir un gouvernement, un Édouard Philippe, venir réagir. Pas réagir sur les gilets jaunes, pas réagir sur les vrais complots qui existent, qui sont dénoncés sur Internet, parce que il y a quelques jours avant, il y a eu, pareil, une attaque médiatique, des couvertures de journaux, des journaux télé qui ont ouvert sur le fait que les Français croient aux conneries des Illuminati, les Français pour 20-25% je crois, croient aux complots qui sont une fantaisie, etc. Donc il y a eu une préparation déjà, vous comprenez? Et donc malheureusement la masse dominante française qui n'est pas éveillée, elle a été préparée, et qu'est-ce qu'elle voit venir? Elle voit que il y a 25% de gens qui sont totalement cinglés, qui croient à ce qu'il y a écrit sur Internet. Il y a une recrudescence explosive d'actes antisémites, ce qui personne ne peut l'accepter. Hein. Moi, je fais tout mon possible pour que la franc-maçonnerie arrête d'attaquer juifs, musulmans, catholiques, athées, arrête de s'attaquer à tout le monde pour mettre un peu le bazar et pour que personne ne s'occupe de elle, hein, qui est le vrai ennemi. Voilà. Donc, la personne lambda, elle va voir cette succession d'agressions, etc., d'arbres coupés, le pauvre Ilan Halimi, je vais dire, pourquoi lui faire ça, de tags, et là, qu'est-ce qui se passe? Un tag dans une rame de la SNCF, etc. Donc, effectivement, la personne lambda qui n'est pas éveillée va réclamer, hein, sans même que Édouard Philippe ne vienne ou d'autres viennent, va réclamer que cela cesse. Et vous inquiétez pas, tout est prêt. Le gouvernement sait lire dans l'avenir, vu que c'est lui qui construit le présent et le passé. Donc le gouvernement arrive à anticiper. Le gouvernement, donc, il vous dit, je vais sabrer, je vais rendre un peu plus légale la censure sur Internet. Parce que
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges. Malheureusement, le gouvernement, vu qu'il est seul à accéder aux médias et à la pensée unique, la franc-maçonnerie, vu qu'elle détient seule tout ce qui est présence dans les médias et toutes les autres institutions, l'Assemblée nationale, tout ce qui est législatif, les juges, tout ce qui est judiciaire, le politique, le monde politique qui est uniquement provenant de la franc-maçonnerie. Hein. Donc l'exécutif aussi, hein, les gradés dans la police, dans, comme je vous ai dit, dans les renseignements, dans les militaires, vu que la franc-maçonnerie a donc une représentation absolument partout, elle peut propager uniquement une seule version, une seule pensée, d'accord? Et il ne peut y avoir que ces informations acceptées, filtrées donc par son idéologie. Et à partir de là, tout le reste va devenir mécaniquement foutaise, complot, fake news, absurdité, folie. Voilà. Malheureusement, je sais que ça paraît, enfin c'est tellement noir ce que je vous dis, mais malheureusement, que vous le vouliez ou non, hein, que vous le vouliez ou non, c'est notre réalité. C'est notre réalité, mes amis. C'est ainsi. Ok, très bien. Alors, pour donc Christophe Détinger, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Il a été donc manipulé. Il a suivi c'est là où il fallait pas suivre. Il a jamais dû être là-bas. Il a été utilisé. Il a joué, si vous voulez, un rôle dans une orchestration dont lui-même n'a jamais été au courant, et à mon avis, je doute que comme ça, seul, il puisse un jour à, comment dire, à comprendre ce qui s'est vraiment passé pour lui. Hein, parce que c'est impossible à détecter. Hein. Vous avez des gens qui savent très bien pourquoi ils sont là, qui sont tous en train de jouer un rôle. Sauf les victimes et sauf en plus tous ceux qui vont jouer naturellement, qui ne sont pas informés, qui vont jouer un rôle parfait parce que ils joueront pas la comédie. Hein. Pas tous les policiers sont mis dans la confidence. Il faut qu'il y ait du naturel. Hein. Un policier qui perd son sang-froid, qui s'énerve ou qui panique ou qui. Il faut. Hein, sinon, ça passerait pas. Hein. Si tout le monde est acteur, ça passerait pas. Donc il y a des personnes qui tirent les ficelles sur le terrain, qui savent très bien pourquoi elles sont là, et tous les autres, tout ce beau monde est acteur malgré lui, il n'est pas dans les premiers cercles hein, de l'information. Hein, c'est l'information, c'est en plusieurs cercles. Sur les images, là, je ne l'ai pas sous la main, mais j'avais donné beaucoup de détails, beaucoup d'analyses. Il n'aurait jamais dû y avoir incidents donc sur la passerelle. Normalement, si on essaye d'être un tout petit peu logique dans la vie, vous avez, on l'a vu sur les images, vous aviez non seulement les CRS, mais pas que. Il y avait les fameux, je sais pas comment on appelle ça, les ninjas, ceux avec les fameux LBD, qui des fois portent un brassard police, des fois non, qui sont grimés, qui sont en noir, que moi j'appelle les mercenaires. La police politique, ils étaient sur la passerelle. Ils étaient sur la passerelle. D'accord? Donc, comment ça se fait qu'il y a eu deux actions? Je donne des coups de poing et ensuite je donne des coups de pied. Le même jour, sur la même passerelle, à quelques minutes d'intervalle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Normalement, je donne des coups de poing. Je suis interpellé ou je reçois un flashball en tête ou peu importe. Il ne devrait pas y avoir deux séquences. Alors après, je vous passe le fait qu'il le laisse passer, il le laisse circuler librement, il le laisse traverser les lignes CRS. Personne ne s'occupe de Christophe, vraiment. Il n'y a personne. Et en plus, non seulement
deux actes, ce qui ne devrait pas se produire normalement au premier acte. Je vais dire, j'entends par acte le boxing et les coups de pied. Donc deux. Et en plus, il arrive à rentrer chez lui. Il arrive à rentrer chez lui. Donc pour moi, il y a trois fois, hein, trois fois où la police, que ce soit ceux présents ou ceux qu'on peut appeler, enfin, on a laissé tout ce bon moment de s'agiter, se tabasser, il n'y a eu aucun renfort, enfin, c'est pas logique. Il y a trois fois où la police, elle a loupé une occasion pour arrêter Christophe Dettinger. Ce qui est, mes chers amis, si vous restez un minimum logique dans la vraie vie, n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Vous avez vu des tirs de flashball sur des gens qui n'ont absolument rien fait. D'accord? Ça me fait penser aussi à l'orchestration qu'il y a eu à Lyon, soi-disant des Black Blocs contre les Antifas, parce que ils sont en train de le scander. Black Blocs, Antifa, en train de se taper et de chanter Black Blocs, Antifa. Donc là, ça pue la même orchestration. D'accord? Déjà, on a, comme par hasard, aucune police, alors que si vous circulez, vous voyez la police partout, vous, hein, ils vous tombent dessus tout de suite, hein. Surtout les jours des samedis, hein, les actes. Et là, on n'a eu personne. Et aussi, si vous remarquez, on a eu des grenades, malgré qu'il n'y avait pas de policiers, hein, il y a eu des grenades qu'on voyait, boum, boum, boum. Ça permet de donner un petit peu, comme ça, un petit peu d'effet, vous savez, des bruitages, comme ça donne la gravité de la situation, hein. La gravité de la situation, hein, et puis un petit peu de bombes lacrymogènes. Moi, j'ai envie d'appeler ça des fumigènes. Vous savez, les fumigènes, les fumées comme dans les boîtes de nuit, hein, ça donne une ambiance que après vous voyez des fumées partout et vous entendez boum 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 clac. Ça donne une certaine ambiance de réaliste. De danger, de guerre, de tension, hein. On se demande, hein, pourquoi on jette autant de grenades pour que ça fasse boum boum boum, et pourquoi autant de gaz lacrymo, hein, pour embaumer un peu tout le monde, hein, si c'est pas pour faire ce type d'effet. Et donc, là où il y a des grenades, hein, qui explose des mains, hein, pour une main juste proche. La main, on voit la personne se baisser, on la voit pas vraiment, hein, attraper la grenade. Hein. La grenade explose avec la main qui approche de la grenade. Hein. Et c'était pas la première fois. Hein. On a vu plein de mains arrachées par les grenades. Donc là, vous avez des grenades qui arrachent des mains sans même que la main, je vais dire, les tienne. Et quand bien même, hein, imaginons que c'est une main qui les tienne. Vous avez vu la puissance de ce type de grenade. Et là, quand vous regardez, encore une fois, la scène, je l'ai diffusée, hein, la scène de le soi-disant affrontement Black Bloc Antifa, on voit des grenades exploser carrément dans les pieds des protagonistes. Il se passe rien, on voit pas leurs jambes voler. Et là, c'est là où je voulais en venir. Pour Christophe Dettinger, vous avez exactement la même chose. Quand vous voyez la scène où il donne des coups de poing sur le bouclier, et bien vous voyez une grenade qui explose, au moins une qui explose à 100 pieds. Enfin, bon, et puis c'est impressionnant, hein, elle explose à 100 pieds. À 100 pieds! C'est que du bruit. Hein, ça lui a pas enlevé une jambe. Lui, le malheureux, il ne le sait pas. Enfin, pour moi, je pencherais plus pour l'hypothèse qu'il est instrumentalisé. Mais voilà. Je ne sais pas si tu me regarderas un jour, Christophe, mais ça t'aidera peut-être à comprendre ce qui t'est arrivé et que qu'on est encore en train de jouer avec toi. Tu vas servir, tu sais, tu vas servir de jeu, malheureusement, pendant très longtemps. Il y avait un autre point, donc concernant toujours l'affaire de Christophe Dettinger, le boxeur. Ah ouais, voilà. Cet autre point, mes chers amis,
C'est, si vous regardez en détail les photos, enfin la vidéo surtout, hein, vous verrez, là je ne l'ai pas préparé malheureusement, et puis j'ai passé, comme je vous ai dit, toute la journée hein, à travailler sur autre chose. Je vous ai préparé plein d'autres choses pour la soirée, il est presque 1 heure, donc. Mais reprenez-la. La vidéo de la séquence de boxing. Eh bien, vous verrez qu'il y a quelqu'un, là je vous parle même pas de la femme qui, le pauvre, il était supposé protéger. Hein. Je vous parle que lorsqu'il saute et que il se met en tête de donner un coup de boxe sur le bouclier, eh bien, regardez bien ceux qui l'entourent, hein, qui sont en gilet jaune, qui essayent de le retenir. Non, non, non. Puis essayent de le retenir. Puis lui, alors il remet bien, parce que bon, regardez bien ces gens-là. Il y en a un, il a une GoPro ici. Et c'est pour ça qu'on a eu ces images impressionnantes. On avait l'impression d'être avec Christophe, qui donnait des coups de poing, on était immergé, on avait l'impression justement que c'était le coup de poing du peuple contre le bouclier, c'était parfait. Les GoPro, ici, ça doit vous rappeler plein d'autres événements. Un certain Mohamed Merah, il avait une GoPro. D'accord. Il y a plein d'événements où on a vu des GoPro accrochés comme ça. Vous regardez les mercenaires que j'ai cités tout à l'heure, les voltigeurs des temps modernes. Il y a même une vidéo là, peut-être je vous la passerai, qui s'est passée à Bordeaux récemment. Eh bien, ils ont des GoPro ici. D'accord? Donc voilà, beaucoup d'indices, hein, beaucoup d'indices qui me laissent penser que ce pauvre Christophe Dettinger a été utilisé pour une orchestration, à mon avis, à son insu. Alors peut-être d'autres penseront qu'il est protégé, qu'il est dans le coup, etc. Moi, ma théorie que je vous ai exposée, elle me conduit à plus penser qu'il est ignorant de ce qui lui est arrivé que qu'il soit très informé et dans les secrets, dans les plus hauts secrets de l'État, de la maçonnerie ou que sais-je, des services de police. Voilà. Je vous ai donné l'explication. Bon, je n'arrive pas donc à vous. Je ne vais pas vous lire. On va continuer, donc on va regarder. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que le pauvre, ils l'ont pas mal chargé quand même. Hein. Moi je ne vois pas de victoire dans cette sentence. Hein. Et autre élément que j'avais signalé hein, immédiatement lorsque son. Il avait une autre avocate. Lorsque son avocate a demandé le renvoi. C'est elle hein, qui a demandé le renvoi de l'affaire au 12 février. Bon, ben là, allez savoir pourquoi c'est le 13 février. Moi, à l'époque, c'était. Elle a demandé le renvoi pour constituer une défense. On lui a dit, ok, on se revoit le 12 février. Alors, est-ce que c'était peut-être c'était le. Non, non, c'était bien le 13, là, aujourd'hui, que ça a eu lieu. Eh bien, déjà, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. À quoi ça sert de faire un renvoi d'affaires alors que il aurait été jugé en comparution immédiate, il avait la faveur de comment dire, de la sympathie populaire, de l'excitation populaire, il aurait eu une masse phénoménale de monde devant, à mon avis, hein, devant le tribunal, si c'était fait à chaud, hein, la comparution immédiate. Moi j'ai trouvé ça ridicule et même. On va dire contre-productif, mais nocif, nocif, nocif à la défense de Christophe Dettinger. Donc je l'avais dit immédiatement. Et là, malheureusement, malheureusement, ce verdict conforte mon intuition
c'est que faire tout ça pour ça, comparution immédiate, hein, ça aurait pas été pire, hein, faire tout ça pour ça. Et on va constituer, on va ramener des témoins, et puis on a retrouvé cette femme avec son fils qui fait des bisous en disant, regardez comment je m'occupe, je fais des bisous avec mon fils. Bon. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pourquoi pas une comparution immédiate? Et le laisser comme ça espérer pour au final ça. Alors, un dernier élément, et après on arrête. On arrête les. On arrête sur l'affaire donc de Christophe. J'espère que tu me regardes, Christophe, que tu me regarderas un jour. Je pense à toi, hein, parce que tu me fais beaucoup de peine. Hein. Il y a eu pas mal de tensions donc aujourd'hui sur mon groupe Messenger. Et je reviens donc sur ce type d'information qui me révolte, c'est les oui dire ou alors suivre, colporter ce qui se dit ici, là, peut-être même les médias, l'avocat. Il vaut mieux, mes chers amis, privilégier les faits ou dire, parler au conditionnel. Il pourrait sortir dans 5 jours. L'avocat a dit que. Voilà. Mais il y a eu des personnes, malheureusement, qui sont tombées dans le piège de dire immédiatement, ça y est, il est libre dans 5 jours. Mais les mecs, il faut prendre du recul, ou les filles, ou peu importe, il faut prendre du recul, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, parce que là, c'est une sentence extrêmement lourde. Moi, personnellement, je vous l'assure, hein, j'ai vu les vidéos, etc. Vraiment, je ne m'attendais pas à une sentence aussi lourde. Vraiment, hein. Interdiction d'aller sur Paris pendant 6 mois, 18 mois avec sursis, ça veut dire que là, ils vont lui trouver n'importe quoi pour lui coller ces 18 mois, peut-être, hein, par la suite, hein, si vraiment il marche pas comme ils s'attendent de lui, que ce soit en prison ou lors de ses futures déclarations, s'il fait, on va dire, s'il veut jouer le héros, le rebelle, ou si, par exemple, il entend ce que je viens de dire, ma version, et qu'il dit, ah non, attendez, moi j'ai encore un truc à dire, je pense que je me suis fait avoir, eh bien il va se les manger, ces 18 mois de sursis, parce que ce soit en prison ou après quand il sortira, vu que le pauvre il est victime tout le temps du hasard qui fait bien les choses, eh bien il se retrouvera mêlé malgré lui à une agression parce que quelqu'un l'aura provoqué, lui aura mis une tarte le premier ou l'aura insulté pour le provoquer, etc. Ce jeu-là pervers, hein, il faut le connaître, hein. Et donc la sentence est extrêmement lourde, mes chers amis, hein, la sentence est extrêmement lourde. Contrôle, 6 mois, il peut pas aller sur Paris, etc. Il y a un an ferme, un an ferme, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, un an ferme, hein, un an ferme. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'émerveiller, applaudir, sauter au plafond. Je laisse le bénéfice, encore une fois, de la bonne foi pour les personnes qui ont laissé éclater leur joie à l'intérieur donc du tribunal. Ça permet de conforter le pauvre boxeur qui, lui, au moins il entend ça. Il se dit, il y a beaucoup de monde derrière moi, ça fait plaisir, il m'aime, etc. Je laisse ce bénéfice-là. Mais après, tous ceux qui ont été, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à l'extérieur, et que là peut-être on va voir des actions de gens qui vont être tellement heureux, qui vont se réunir et laisser éclater leur joie, etc. Mais vous faites n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les mêmes gens qui vont se féliciter parce que on va annuler les taxes sur l'essence, mettre 100 euros sur le SMIC et mettre en place le RIC. Ces personnes-là n'ont pas compris
que ce n'est le combat, ce n'est pas juste ces petits effets ces petits artifices, hein, ces petits effets de présentation, et que c'est beaucoup plus profond que ça. Hein, c'est nos vies qui sont impactées, nous sommes esclaves malgré nous, nous ne sommes pas libres, nous sommes dans un monde d'illusions. C'est non seulement nous, mais derrière, on est en train de leur filer nos enfants, hein, et ça va être pire pour mes enfants, pour nos enfants et nos petits-enfants. Eux, ils subiront ce que nous subissons, mais à un niveau extrêmement plus supérieur et plus douloureux, parce que eux, ils seront encore plus fliqués que nous. La technologie avançant, elle joue contre les générations futures. Elle joue pas, pour l'instant, elle n'est pas de leur côté, la technologie. Là, nous avons réussi à utiliser la technologie pour nous éveiller, mais ceci, on est en train de vivre les derniers jours de cette liberté, on va dire, c'est une liberté, relative, voilà le mot que je cherchais, de cette liberté relative, bientôt, il n'y en aura plus du tout, et nos petits-enfants seront pucés, hein, allez savoir là où elle sera, mais ils seront pucés, hein, ils seront pucés. Là, ce sera pas juste le téléphone portable que vous devrez laisser à la maison ou vous en passer. Ce sera pas juste ne pas acheter une voiture parce que la voiture est truffée de systèmes Bluetooth pour l'écoute, etc. Ce sera pas juste ne plus regarder la télé, ne plus avoir aucun appareil électronique parce que pareil, hein, les appareils électroniques sont truffés d'instruments de surveillance. Ce ne sera plus juste ne plus du tout utiliser l'électricité chez soi, parce qu'avec Linky, on est tous câblés par le système CPL, hein, qui transmet les informations à 1 giga seconde à travers les câbles du courant. Il n'y aura plus un centimètre, même aujourd'hui, il n'y a plus un centimètre sur Terre pour avoir une vraie liberté absolue, hein, pour espérer échapper à la surveillance si tant est un jour il fallait y échapper. Voilà, ça il faut en avoir conscience, hein, pour ceux qui croient à l'illusion du RIC ou à autre chose. Regardez mai 68, ceux qui aussi qui suivent les gilets jaunes médiatisés, regardez Daniel Cohn-Bendit, pourquoi vous n'apprenez jamais des leçons du passé? Apprenez du passé, les amis. Alors, je vais continuer avec les vidéos et je vais vous dire, donc, là, on va écouter donc l'avocat. C'est de là qu'est parti donc beaucoup de rumeurs et il y a eu des tensions, y compris avec mes propres contacts. C'est que vous ne pouvez pas. Arriver comme ça et dire c'est bon, il est libre dans 5 jours. Vous ne pouvez pas. Il faut regarder vraiment le désastre de la décision. Il faut dire que c'est l'avocat qui a dit ça. Et il faut avoir un minimum de recul pour comprendre que ceci, cette liberté, cette liberté éventuelle, hein, éventuelle, dans 5 jours, elle est soumise, hein, à l'approbation ou non, hein, du juge des libertés. Hein. Parce qu'il y aura une demande de remise en liberté, d'aménagement de peine, et ce n'est pas gagné, ce n'est pas dit. L'avocat, il va la proposer, et ça sera toujours le juge qui l'acceptera ou pas. Pourquoi vous aventurez comme ça à dire que ça y est, dans 5 jours, il est dehors? Est-ce que vous imaginez le risque que vous prenez? Je sais que vous n'en avez rien à foutre, parce que même si dans 5 jours il y a un rebondissement et qu'il n'est pas dehors, qui se rappellera que machin, machine a dit ça sur Internet et que du coup 200 personnes, 3000, 5000 personnes l'ont relayé comme ça parce que plus personne ne se rappelle qui a été le premier à le dire. Et c'est tous les jours comme ça. Et les fake news, c'est comme ça.
D'accord, alors peut-être dans 5 jours, je lui souhaite, hein, même si c'est de toute façon, c'est, je vais dire, c'est pas une victoire, hein, ce qui s'est passé. Même si dans 5 jours, on lui accorde cet aménagement de liberté, c'est-à-dire il va travailler le jour, il rentre en prison la nuit, etc. Et puis si, pendant 6 mois, il peut pas mettre les pieds sur Paris. Enfin, vous imaginez? Même si c'est accepté, vous ne pouvez pas dire cette information sans parler au conditionnel et sans dire c'est l'avocat qui l'a dit et que peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Vous ne pouvez pas faire ça, d'accord? Alors, on va écouter justement ce qu'a dit cet avocat. Dans les 5 jours qui viennent. Dans les 5 jours qui viennent, va remettre un pied dehors, va reprendre son travail. Pas encore totalement sa vie de famille, mais bientôt. Et donc, ce sera quoi? On peut s'attendre à quoi comme aménagement? Ben, pour l'instant, l'aménagement a été décidé par le tribunal, donc c'est une semi-liberté. En somme, sur une période d'un an, ça veut dire, vous savez, je vais faire des calculs d'épicier. 12 mois, ça veut dire 9 mois. Vous avez 3 mois de remise de peine ab initio, que vous perdez si vous ne vous comportez pas bien. Donc Christophe Détinger se comportera bien. Et donc il a 9 mois à faire, il en aura déjà fait un mois et demi. Il lui en reste 7 et demi. Pour l'instant, en semi-liberté, est susceptible d'être converti sur demande et si le juge l'acceptait, par exemple, en placement sous surveillance électronique. Donc, il dort chez lui. Il ne dort plus en maison d'arrêt, il travaille. Et puis, d'ici, allez, faut faire un calcul rapide, d'ici à peu près 3 mois, en libération conditionnelle pure et simple. Je ne dis pas que ça se produira, c'est ce que nous pouvons demander au juge. Maître, on craignait le procès des Gilets jaunes, on a finalement le procès d'un homme exemplaire qui a pété les plombs au casier judiciaire vierge. Ça a été pris en compte. On a un procès qui ne ressemble quand même pas au procès des autres Gilets jaunes, qu'on le veuille ou non. Donc je crois que le procès même est exemplaire. Du coup, la peine. Peut-être envisagée quand même comme une peine qui sert d'exemple. Elle est une peine lourde, c'est-à-dire que nous avons l'air d'être satisfaits de la peine parce qu'on se dit Christophe va ressortir de prison là dans les jours qui viennent. Il faut mesurer les choses, c'est une peine très lourde. Donc quand je disais satisfait, soulagé surtout, parce que nous redoutions que ce soit pire. Mais si vous me demandez de considérer qu'il a été jugé comme l'aurait été n'importe quel autre gilet jaune qui aurait porté des coups à sa place, sans cette médiatisation, sans qu'il fût un ancien champion de France poids lourd de boxe, je pense que la peine aurait été moins lourde. Merci, madame. Donc, mes chers amis, alors on va, encore une fois, je ne vais pas charger cet avocat, on va se dire que l'avocat est pris par l'émotion, par la fatigue extrême, par, encore une fois, quand vous avez des micros comme ça, franchement, vous pouvez faire des erreurs, hein, vous ne pouvez pas absolument tout trier dans ce que vous allez dire. Et donc voilà, l'avocat a beaucoup spéculé, il a fait ses propres calculs. Si j'enlève un, je retiens un mois, j'enlève, il me reste ci, il reste ça. Il a oublié ce que je viens de vous dire avant. Ça veut dire que si le système veut accabler le pauvre Christophe, vu qu'il l'a déjà piégé sur la passerelle, ils pourront lui coller n'importe quelle, on va dire, engueulade ou rixe, que ce soit en prison, dehors, etc. Ils pourront lui trouver des poux comme ils veulent. D'une part. D'autre part, donc ce qui aggraverait la peine, hein, qui a été mise en place. D'autre part, l'avocat, donc, dit que c'est dans 5 jours c'est fait, hein, et c'est comme ça qu'il présente les choses, et que après il espère sortir donc Christophe de cette semi-liberté, ça veut dire travailler le jour, entrer en prison la nuit, et il spécule là-dessus, mais même sur ça, même sur cette semi-liberté, il spécule. Hein, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Et je mets ça sur la fatigue de cet avocat. Hein, et sur le fait qu'il n'a pas vraiment. Donc voilà, ce n'est pas du tout, hein, ce n'est pas gagné, ça. Ça n'a pas été décidé, justement. C'est le juge des libertés, de l'aménagement des peines, qui aura son mot à dire. Alors il est très probable, effectivement, que maintenant que beaucoup de monde s'est avancé sur cette question en disant, OK, dans 5 jours, allez, ne cassez pas le pays.
Parce que dans 5 jours, ben, on aura dépassé. On est quoi? On est jeudi. Alors ça fait jeudi, vendredi. On va compter les week-ends. Hein. Samedi, dimanche, lundi. Ça veut dire que on va pas s'énerver avant lundi prochain. Hein. Voilà, c'est de l'espoir. Parce que vous imaginez, si on avait dit tout de suite, imaginons. Que le juge des libertés ne soit pas très d'accord pour cette semi-liberté. Imaginons que il aurait dit avant donc samedi l'acte qui arrive là, qui promet encore d'être un succès, que finalement non, il n'y aura pas cette sortie tant promise. Eh bien, vous voyez l'effet que ça fait. Là, au moins, on dit que il va sortir. Ça sera, on verra ça dans 5 jours, etc. D'une part, il faut donc il est convoqué, hein, il est convoqué par le juge des applications des peines et on verra, c'est le juge de l'application des peines qui décidera. Donc regardez après devant le tribunal, il y a eu les soutiens du boxeur qui étaient aux anges. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi, parce que là, du coup, ils sont dehors. Bon, allez, on va regarder. Hop. Donc voilà, il y a une joie exponentielle. Moi, franchement, hein, je vous ai assez donné mon opinion, mon analyse et mon avis. Pour moi, elle est injustifiée, hein, cette explosion de joie. Donc voilà, la peine, c'est, je vous la répète, hein, 30 mois de prison, dont 18 avec sursis, qui fait 12 fermes. Et donc, il aura interdiction de se rendre sur Paris pendant 6 mois, et sa peine, hein, pourra être aménagée. Hein, pourra être aménagée. Ça sera toujours les juges qui le décideront. D'accord? Donc, si les juges, même pour le fait de la semi-liberté, de dormir en prison et d'aller travailler, hein, même pour cette forme-là de semi-liberté, hein, qui n'est pas un aménagement en soi, même pour cette forme-là, si le juge, donc le JAP, le juge d'application des peines, ne estime qu'il y a un risque ou quoi que ce soit, elle pourrait ne pas être en place, ne pas être mise en place. Hein. Voilà. Parce que, effectivement, si c'était aussi simple, si c'était gagné, pourquoi il serait pas sorti demain matin? Pourquoi 5 jours? Vous voyez, c'est essayer à chaque fois d'être un peu logique. Hein. Allez, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? On va passer à autre chose. Allez, Alors, je voulais vous donner des informations. Tiens, une information qui était tombée tout à l'heure, que j'avais mis de côté. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais vous la donner comme ça, vite fait. Voilà. Sachez que j'ai vu tout à l'heure, donc qu'il y a eu, avant même de démarrer ce live, qu'il y a eu un bombardement américain, d'après eux, sur Al-Qaïda, mais c'est la position géographique qui est intéressante à savoir, c'est en Libye. Les Américains ont bombardé en Libye
d'après eux, des positions Al-Qaïda. D'accord? Et donc, c'était ils ont bombardé sur la localité qui s'appelle Aoubari. D'accord? Alors, je vais. Aoubari, hein? Aoubari, Aoubari. Et d'après eux, ils ont bombardé donc Al-Qaïda, bien entendu. Et que voulez-vous qu'ils bombardent d'autres? Ça pour cette info très urgente donc que je voulais vous donner. Ensuite. Ensuite, bon, ben, je vous ai donné pas mal d'informations dans la journée au travers de mes publications, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On va parler gilets jaunes, d'accord? Donc sachez que, tiens, on va faire une revue de presse rapide sur les gilets jaunes, ce qui s'est passé, ce qui se passera. Donc sachez que à Saint-Avold en Moselle, 57, donc il y a eu des gilets jaunes solidaires pour le samedi qui arrive, qui vient. On va regarder donc des courtes vidéos. On va regarder des courtes vidéos. On va essayer d'aller vite. Désolé hein, pour les salutations. Bah, malheureusement, on va les faire à la fin. Ça sera bonjour et bonne nuit. Désolé les amis. Hein, vous voyez bien mon état de fatigue et le vôtre aussi. Allez, on regarde. On a de nouveau notre bungalow à Saint-Avold, hein. Petite ville de 16 000 habitants. Les gilets jaunes ne lâchent pas. Voilà. Regardez, même mon minou. Bon, bah vous aurez remarqué hein, que bon, bah, y a tous les messages sur les gilets jaunes. Hein. Bon, il faut pas tout mélanger, mais vous avez des messages de la France insoumise. Est-ce que ces personnes ont compris que c'est de la franc-maçonnerie dont il s'agit? Est-ce qu'ils ont compris que Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, est franc-maçon? J'ai pas l'impression. Il y en a qui mettent même les signes de Marianne. Ont-ils compris que Marianne n'existe pas, que c'est une invention de la République et donc des francs-maçons. Ceux qui adulent Jeanne d'Arc ont-ils compris que cette histoire, même un enfant, ne peut pas marcher dedans? Bon, ça continue quand même. Allez, on va regarder. Donc, c'est pas grave. Bon, bah pour le geste, il y avait des gilets jaunes. Donc là, c'est un appel au rassemblement place de la République à partir de 14 h. Et il y aura une fois de plus un hommage donc aux blessés. Donc je vais vous montrer. Il y a eu une affiche. Je vais vous montrer l'affiche. Voilà. Regardez. Là,
C'est un mouvement que je ne connais pas, les résistants. C'est pas grave. C'est juste là, je vous diffuse juste de l'information. Je ne vous dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais sachez que voilà. Place de la République, samedi 16 à 14 h. Il y a un rassemblement. Ensuite, alors on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc aujourd'hui, il y a eu un petit blocage contre la hausse des frais pour les étudiants étrangers à la fac, à une fac de Lille, l'IEP. On va regarder ça. Je rappelle que je suis contre toute forme de blocage, mais pour toutes sortes de d'ouvertures de barrières. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. On regarde. Donc voili, voilou. Alors là, au Pays Basque, donc pour samedi, il y aura une manifestation anti-G7. C'est important, parce que le sommet du G7, il aura lieu entre le 25 et le 27 août 2019 à Biarritz, justement. Donc voilà, ça a été dédié contre le G7. On va regarder. 16. Février à 14 h, gare du Midi. Vati chez 2. Donc là, Gilet jaune, donc tu es dans mes contacts et tu me demandes, tu me dis que Noël c'est fini. Effectivement, le sapin que tu vois derrière, c'est pour mes enfants. Et vu que tu me connais pas, tu te poses la question, ce qui est normal. Et je le fais parce que je ne vois pas mes deux enfants, hein. Naël, mon fils, et Lila, ma fille. Et je garde le sapin en espérant qu'ils pourront le voir avant la fin de l'année. Avant de mettre, comme toutes les années précédentes, un nouveau sapin. Sachant que là, vous ne le voyez pas, mais il y a un cadeau encore qui me reste de Noël 2015. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'était donc pour Biarritz. Là, donc on va regarder vite fait le rond-point de Bulgnéville dans le 88, les Vosges. On va regarder vite fait. Alias. Alias Macron, le gros con, redescends vite sur Terre, car ici c'est la misère. Ici,
C'est nous qu'on crève, exactement. Voilà, hein. Viens te chercher, c'est toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. A plus. Moi, ça me fait bizarre parce que je l'ai chanté en virage chute du vélodrome, celle-là. Donc voilà, bon, j'avais une écharpe bleue et blanche. Là, c'est jaune, mais j'aime bien le jaune aussi. Bonjour la famille des Gilets jaunes. Il y a du monde ici. Voilà, mes chers amis, j'ai vu entre-temps vos messages de soutien pour mes petits, pour mes enfants. Alors, il y en a qui sont, mais vous essayez de me réconforter, hein, mais qui ne s'en rendent pas compte de la réalité, malheureusement. Comme par exemple JP Hugenel, tu dis, mais dis, tes petits seront tôt ou tard. Ah ok, bon bah excuse-moi, c'est la fatigue, j'ai cru comprendre que tu me disais, ils te reviendront, j'allais te dire, ce n'est pas aussi simple, donc tu dis ils sortent, et là, nous sommes d'accord, excuse-moi, c'est mon état de fatigue, et je fais ça pour qu'ils sachent tôt ou tard, peut-être aller savoir, au pire des cas, dans 20 ans, ils tomberont sur une de mes vidéos, que peut-être quelqu'un d'entre vous aura conservé quelque part, caché sur un support, et ça tombera dans leurs mains. Et si on leur a dit d'ici là que leur père, comme tous les pères de France, a pris la fuite, a fui ses responsabilités, et qu'il n'a pas voulu avoir leur garde, ni s'en occuper, ni avoir leurs responsabilités, s'occuper de leur vie, les éduquer, que c'est au moins une vidéo sur tous les soirs je fais une vidéo depuis plusieurs semaines sur plusieurs plateformes. Là je vous parle et en simultané je diffuse sur deux autres comptes Facebook, sur un compte de secours YouTube, sur deux comptes VK, c'est le Facebook russe, sur un compte Twitch qui est pour les jeux vidéo, et sur Periscope, hein, qui est lié avec Twitter. Donc vous multipliez tous les soirs autant de vidéos un peu sur autant de plateformes, et vous multipliez par le nombre de soirs, je pense qu'à force, une vidéo pourra, c'est comme vous savez, le spermatozoïde, ils sont des centaines de milliers, et puis il y en a un qui arrive à passer, ben, une vidéo arrivera un jour ou l'autre dans les mains de mes enfants. Voilà. Bon, alors ça c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, je pourrai les retrouver assez rapidement. Et la seule manière, mes chers amis, pour que je retrouve mon honneur, mes enfants, que je sauve mes enfants, y compris les vôtres, et tout, qu'on se sauve tous ensemble, c'est que notre révolution aboutisse. Et l'aboutissement, ce n'est pas le RIC, hein, ce n'est pas ces conneries-là, ce n'est pas le pouvoir d'achat et toutes ces manipulations-là. L'aboutissement, c'est qu'on obtienne enfin une justice digne de ce nom, qui rend justice, hein, que ce mot ne soit pas bafoué comme ça, utilisé, que les juges vraiment appliquent la loi et pas qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas les lois qui posent problème, hein. C'est ceux qui les appliquent. Allez, qui les prononcent. En autre nom, en plus. C'est une franche mascarade. On va avancer. Alors. Alors attendez voir, parce que là, je viens de voir un câble passer qui est assez incroyable. Un instant. Un truc incroyable. Hein.
Regardez cette information incroyable. Je ne sais pas si elle est passée entre-temps dans les médias. Donc là, je vous mets le site de BFMVC. Bon, là, c'est pas là, c'est là. Allez, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Merci beaucoup, hein. Je vois tous vos messages de soutien. Vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. Alors regardez, mes amis. Eh bien, j'apprends, hein. Moi je viens d'apprendre, que le sang qui a été retrouvé sur la balle de LBD, donc que Jérôme Rodrigue aurait reçu à l'œil, eh bien le sang n'est pas celui de Jérôme Rodrigue. Donc son avocat, c'est lui qui avait remis cette balle à l'IGPN, et les analyses démontrent que ce n'est pas le sang de Jérôme Rodrigue. Alors, je vais pas me prononcer, je vais laisser, je transmets uniquement l'information. On va se donner une bonne nuit parce que la nuit porte conseil. Chacun d'entre vous, d'entre nous, en pensera ce qu'il voudra. Mais pour l'instant, je ne vais pas me lancer dans des théories. Voilà, je vous donne l'information comme je l'ai reçue. N'hésitez pas à me dire si vous étiez au courant, si c'est passé déjà, si ça a été relayé largement dans les médias. Mais moi, je viens de découvrir ça. Donc, vous voyez, le sang présent sur la balle de LBD remise aux enquêteurs par l'avocat de Jérôme Rodrigue n'est pas celui du gilet jaune blessé à l'œil. L'avocat de Jérôme Rodrigue avait remis aux enquêteurs une balle de lanceur de balles de défense ramassée par des témoins le samedi 26 janvier dernier, place de la Bastille à Paris, le jour où ce gilet jaune avait sérieusement été blessé à l'œil. L'expertise menée dans le cadre de l'enquête conduite par les GPN a conclu qu'il ne s'agissait pas de celui de Jérôme Rodrigue. Alors, à mon avis, vous avez déjà eu l'information. Bah tiens, Subtil, tu n'étais pas au courant. Laurent Vormus, tu dis que tu étais au courant. Samir, tu étais au courant. Anto, tu étais au courant. Et Béatrice, tu étais au courant. Et bien justement, là, moi j'ai loupé cette information parce que au micro de BFM TV, Jérôme Rodrigue a maintenu ce mercredi avoir reçu une balle de LBD dans l'œil et explique que son sang n'a pas été retrouvé sur la balle du lanceur de balles de défense parce que beaucoup de personnes ont touché celle-ci après coup. Là, je viens de voir, vous me direz si je me trompe, mais il manque un S à personne. Beaucoup de personnes, il manque un S. Donc là, ça confirme bien que BFM TV est bien BFM VC. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, j'ai dit que je ne donnerai pas un avis hein, sur cette information. Néanmoins, l'explication de Jérôme Rodrigue, pour moi, ne tient pas la route parce que ce n'est pas parce que cette balle a été manipulée que ça explique qu'on va retrouver le sang d'une autre personne dessus. Hein. Donc voilà. On a même son intervention. Bon, on va pas se lancer dans la vidéo. Je pense qu'on en a vu assez comme ça. On va passer à autre chose. Voilà pour le traitement de cette information. Ok. On va passer. Alors. Donc il y avait à Argenteuil, je
pense que vous l'avez suivi, des rassemblements pour soutenir donc entre autres Sébastien qui a perdu lui aussi, hein, qui a perdu son œil, hein, lui aussi. Et ça, c'est très bien. Et donc le père de Sébastien remercie la foule. Et il dit entre autres, on ne lâchera rien, bravo, courage, bravo pour ce courage. On va regarder 2-3 vidéos à Argenteuil donc aujourd'hui. Je tenais à vous remercier tous d'être venus pour le soutenir. Merci à tous. Et la force fait l'union, on ne lâchera rien. Merci encore. Bon, je regardais en même temps à ce que vous écriviez. Et bon, bah, on est d'accord, Cathy LB, MLB, LBL. Bon, j'arrive pas à prononcer ton nom, mais je pense que tu m'as compris. Et tu dis tout à fait explication stupide de Jérôme. Alors voilà, c'est bien de se retrouver, pas uniquement avec donc de la contestation pour de la contestation, du trollage pour parce qu'on est fan de ci, fan de l'autre, fan de celui-là. Arrêtez avec les icônes, hein, et puis quand vous aimez les discours. Beaucoup sont venus me dire « Oh là là, quel discours !» et pas que sur Jérôme, hein, souvent « Oh là là, quelle vidéo de Ramos, quel discours d'un tel, quel... » Mais que Mélenchon parle mieux que tout le monde, hein, il parle mieux que moi. Macron, moi je tiens pas face à Macron, il parle mieux que moi, il parle mieux que n'importe qui. Si le fait de bien parler encore aujourd'hui est pour vous un gage de sincérité, d'intégrité, d'efficacité, de justesse, hein, de validité de l'information, ça va être difficile, hein. Mais bon, je suis là malgré tout pour vous ouvrir les yeux, hein. Allez, donc c'est la marche pour Sébastien, on regarde encore un bout de vidéo. Allez, regarde ça. Et Sébastien, on pense à toi. 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 Bonsoir les derniers arrivés, je n'ai salué personne, donc ne vous inquiétez pas, je saluerai tout le monde à la fin, comme ça, ça vaudra pour bonjour, au revoir, nous sommes tous dans un état de fatigue, et en premier lieu, votre serviteur, venez sur mes groupes Messenger, il y a le lien, parce que je passe la journée à discuter avec vous, hein, ce n'est pas que le soir, donc c'est normal que vous me voyez dans cet état-là, je n'ai cessé de aussi... publier, commenter l'actualité à travers des images, hein, très parlantes. Et donc voilà, Jamie J, oui, ça fait un moment, ça fait à mon avis depuis il était un peu minuit, hein, lorsque j'ai démarré, alors que c'est le live, c'est bien le live, vous êtes pas trompé, hein, de mercredi 13, eh bien il a démarré, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, le jeudi 14, mais c'est bien jeudi ce soir, donc jeudi il y aura aussi un live. Allez, on va continuer avec les informations. Donc toujours la solidarité avec les mutilés, hein, des gilets jaunes. Et quand
contre les violences policières, il y a eu un soutien, hein, il est temps, les violences policières ne datent pas des gilets jaunes, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qu'on a fait passer pour des menteurs parce qu'ils sont affirmés avoir été violés, et oui, il y a eu viol, je le dis encore et encore haut et fort, et malheureusement il y a des personnes dans la dissidence, des personnes très célèbres de la dissidence qui continuent, et d'ailleurs ils brillent par leur absence, ces personnes de la dissidence, pour pas les nommer, hein, ce n'est pas Dieudonné, c'est l'autre personne, donc vous savez de qui je parle, ils brillent par leur absence parce que ces personnes, malheureusement, n'ont jamais voulu sortir de la ligne de défense absolue et aveugle de la police et des forces de l'ordre. Ces personnes n'arrivent pas à voir que les forces de l'ordre, la police, reçoivent des ordres, justement, et que tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. D'ailleurs, il y a énormément de suicides, il y a énormément de violences à l'interne. Il y a même des cas d'agression sexuelle, comme je vous l'ai montré hier, couverts par Castaner, par le pouvoir. Donc voilà, la personne dont je vous parle, eh bien, par respect, je ne vais pas la nommer, parce que cette personne, à moi, comme à beaucoup, a aussi servi de transmission d'informations, mais malheureusement, voilà, elle se trompe sur beaucoup de sujets. Voilà, je ne vais pas prononcer son nom par respect. Et oui, la personne aussi continue, malgré tout, à soutenir mordicus l'équipe de France de foot, les équipes de France de foot. Elle n'a pas compris que c'est une manipulation, que c'est de la politique, que c'est... Il n'y a rien de vrai dans tout ça, et que le message envoyé au monde est fait pour tromper. On montre donc une équipe à majorité noire pour dire, regardez, les noirs et par extension les arabes, les étrangers, sont respectés dans leurs droits, comme tous les humains en France. Venez, si vous voulez vivre paisiblement, obtenir justice en France, si vous voulez, les portes sont ouvertes. Ici, tout le monde peut réussir avec, vous voyez, avec un taux de réussite extraordinaire, parce que sur une équipe de foot, quand vous voyez autant de représentation de l'immigration, on va dire, cela équivaut à ce que c'est un pays de réussite flagrante pour les personnes d'origine étrangère, alors qu'en réalité, vous le savez très bien, que c'est absolument faux, que ce que vous soyez de souche d'origine étrangère, vous n'avez aucune chance de réussir dans ce pays si vous ne faites pas partie d'une certaine caste qui s'appelle franc-maçonnerie et qui comporte, hein, elle comporte pas uniquement des personnes de souche, hein, elle comporte des personnes d'origine étrangère aussi. Hein. Regardez Najat Vallaud-Belkacem, les exemples ne manquent pas. Regardez Christiane Taubira, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Voilà, mes chers amis. Alors, on regarde, on continue, donc là, la solidarité contre les violences policières. Solidarité avec les deux tiers. Bon, vous avez remarqué que moi je vais finir le live en dormant sûrement devant vous, hein, devant la webcam. Réveillez-moi si je dors. Hein. Alors, donc la marche contre les violences policières. On continue.
Voilà. Ok, donc ceci pour cette information, et on va passer à la suite. D'ailleurs, on va pas tergiverser longtemps parce que vous voyez bien votre serviteur dans quel état il est. Tiens, ça c'est très important que je vous montre ça. Regardez ça. J'étais frappé de regarder tout à l'heure, de voir la vidéo, cette vidéo. Regardez ça. Regardez ça, mes chers amis. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Et merci les amis, hein. Tu dis Chapa, tu dis va dormir, t'es épuisé. Rick, c'est qui le troll, Rick? Qui est le troll? Hein? Allez, regardez ça. Donc c'est un article qui est traduit, hein. C'est dans une prison de femmes, et donc il va y avoir une scène de une bagarre entre une gardienne et une détenue. Moi personnellement, j'ai été frappé par alors je sais pas si c'est on va dire si c'est politiquement correct que je dise ça, mais j'ai été frappé par l'absence de solidarité des autres détenus. Parce que quand les autres gardiens sont arrivés, eh bien, ils n'ont pas été tendres avec la détenue, alors que les torts sont un peu partagés, et que la détenue était plutôt dans une position de défense. Elle était au sol, elle était dans une position accroupie de défense. Alors regardez, il n'y a pas de son, hein. Il n'y a pas de son, on va regarder. Donc observez bien, là les deux, mais la détenue, regardez bien, hein, elle n'utilise pas les mains. C'est du verbal. C'est la gardienne qui va lui sauter dessus. Elle refuse donc de se faire interpeller, visiblement, mais elle n'utilise pas de violence physique. La gardienne va prendre la décision de vouloir malgré tout la maîtriser seule. Elle aurait dû attendre. Voilà, et là ça part en sucette. Ça part en sucette. Les autres femmes savent pas trop comment agir. Elles retournent même. La gardienne était au sol, c'est elle qui se retrouve. Et donc là, tout le monde qui participe à l'interpellation de la détenue. C'est absolument incroyable. Et bon, voilà, là, il y a les renforts qui arrivent. Pourquoi cette gardienne a pris la décision de toute seule vouloir... Pourquoi n'a-t-elle pas attendu ses collègues? Pourquoi ne les a-t-elle pas appelés? Bon, ce que ça permet de voir aussi, cette vidéo, surtout, hein, c'est ce que c'est une prison pour femmes. Hein, regardez, vous avez des matelas, même le sol. Voilà, c'est ce que ça permet... de voir aussi, hein. Voilà, j'ai été halluciné de voir ça tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors.
Alors, regardez, tout le monde, c'est, il y a eu une confusion. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais y compris l'avocat de Détinger, tout le monde a participé de cette confusion, y compris des journalistes eux-mêmes, hein, des médias eux-mêmes. Hein. Regardez, là, on est sur RT. Hein. Donc, regardez, suivez bien comment RT traite l'information. RT, que j'ai contacté jusqu'à ne plus en finir, qui savent très bien qui je suis et qui ne veulent toujours pas me donner la moindre parole, eh bien, regardez RT. Je ne vais pas vous ménager. RT qui participe à la confusion. Donc, regardez. Le titre, c'est bien l'ex-boxeur Christophe Détinger, condamné à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté. C'est sans équivoque pour eux, ça y est. Il a été condamné dans de la semi-liberté, on ne peut pas lire autre chose. Hein. Et là, quand on va dans le corps de l'article, leur propre article, hein, pas besoin d'aller chercher loin. Donc, jugé pour avoir frappé, blablabla, 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 elle a occupé d'un an ferme, 18 mois avec sursis pour avoir frappé. L'un de ses méfaits a été filmé dans une vidéo virale, blablabla, blablabla. Et bah, par contre, regardez ici. Bizarrement, ils ne savent pas se lire eux-mêmes. Regardez, c'est bien, ils le disent bien. Hein. Il verra d'ici 5 jours un juge pour un éventuel, les mots ont leur importance dans la vie. Un éventuel aménagement de peine en semi-liberté. Ce que là-haut, ils ne disaient pas. Hein? Un juge pour un éventuel aménagement de peine en semi-liberté. Il dormira donc chaque soir en prison, mais la journée, Christophe Détinger sera libre pour garder une vie professionnelle et familiale. Bon, faut déjà, c'est du foutage de gueule de croire qu'on peut garder une vie professionnelle et familiale en ayant de la semi-liberté pour qui que ce soit. Mais là, vous voyez bien, il y a eu une énorme confusion aujourd'hui. Alors moi, je lui souhaite hein, de tout cœur à Christophe de vraiment de sortir. Tiens, j'agrandis un peu, si peut-être vous voyez pas bien à l'écran. Je lui souhaite de tout cœur de sortir dans 5 jours et même avant. Mais le pire pourrait arriver si jamais ce fameux juge, pour une raison ou pour une autre, n'accorde pas cette semi-liberté tant assurée par tout le monde, y compris le premier des fautifs, c'est l'avocat même de Christophe. Hein. Peut-être alors c'est une stratégie pour faire comme si c'était accepté pour mettre la pression sur le juge pour qu'il ne puisse plus reculer. Mais bon, il y a une énorme confusion. Hein. Regardez le titre. Le titre, il est bien clair. Hein. L'ex-boxeur Christophe Détinger, condamné à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, alors que l'aménagement n'est pas encore dit. Hein. Il verra. Donc c'est ici là. Tout le monde donc a relayé la même chose, comme quoi c'était déjà fait, qu'il sera libre dans 5 jours. Pourtant, c'est subordonné, comme je vous avais dit, au JAP, au juge des applications des peines, qu'il verra d'ici 5 jours. Ça n'est que, encore une fois, que du temps gagné pour le pouvoir d'avoir renvoyé à 12 le 12 février. Maintenant, on nous renvoie à dans 5 jours, etc., etc. Bon. Voilà, mes chers amis, ça, c'est fait. Alors, est-ce que il y a autre chose dont je voudrais vous parler, ou est-ce que on pourra s'arrêter là?
Ah bah tiens, malheureusement je pourrais pas m'arrêter là. Sachez que bon, on a vu tous aussi l'information sur Juppé, hein. Juppé, vous vous rendez compte, Juppé qui est nommé au Conseil constitutionnel. Alors je sais pas si c'est moi qui suis à l'écran. Oui, c'est ça. Juppé qui est nommé au Conseil constitutionnel, alors que c'est quand même un homme qui a été condamné à 14 mois avec sursis par le passé et 10 mois d'inéligibilité. Quel message envoie-t-on? Quel message? C'est juste une honte. Alors l'information que je voulais vous donner, c'est que vous avez tous vu qu'il y avait donc pour la grande explication, Édouard Philippe sur LCI, et il y a eu donc un petit vote qui démontre que même quand ils truquent tout, hein, ben, malgré tout ils n'arrivent pas à truquer totalement. Parce que bon, je pense qu'on doit être à 95% si on enlève les francs-maçons, 95% à trouver que Édouard Philippe ni aucun autre personnage du pouvoir du gouvernement n'a jamais été convaincant dans aucun débat. Mais regardez, c'est que là, ils peuvent pas non plus dire que tout le monde a été convaincu, donc ils lâchent un petit 62% de personnes donc qui n'ont pas été convaincues par Édouard Philippe sur LCI. Déjà, rien que ce chiffre-là, c'est une énorme, énorme, énorme manipulation, parce que c'est ce qui sous-entend qu'on a presque une quarantaine pour cent de personnes qui ont été convaincues. Donc il faut voir la manipulation, hein, inversée. Hein, il faut voir la manipulation inversée. Voilà. Bon bah encore une fois, je reviens à la personne lambda qui n'est pas éveillée. Elle regarde ça dans son salon. Elle se dit quand même, on me dit qu'il n'y a que du mensonge dans mes merdias. Quand même, regardez, s'il n'y avait que des mensonges, il ne dirait pas la vérité que 62% ne sont pas d'accord avec Édouard Philippe, sauf que mon gars, ou ma... je sais pas comment je peux dire, mon gars en femme, ou alors madame, sachez que, ou monsieur, sachez que ceux qui ne sont pas convaincus par Édouard Philippe et les autres doivent dépasser les 95%. Hein, la manipulation, le mensonge, il est là. Et donc tout ça pour dire, vous allez comprendre donc ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, vous allez comprendre que voilà. La seule chose donc que j'ai notée qui était intéressante dans ce que a dit et dans l'intervention d'Edouard Philippe, eh bien la seule chose, mes chers amis, d'ailleurs je vais vous mettre l'image. La seule chose, c'est ça. Et ça nous démontre que le pouvoir vacille, que le système panique, hein, le système panique. Hein, je n'ai cessé de vous le dire. Ne serait-ce qu'avec les différentes menaces que je reçois tous les soirs. Qui me parle de sûreté de l'État, qu'il faut que j'arrête mes lives parce que je mets l'État en danger. Enfin, vous vous rendez compte, moi qui suis civil, qui ne fais que utiliser ma liberté d'expression, je mets des secrets défense en jeu. Hein, comment ai-je pu avoir l'habilitation secret défense, hein? Alors, regardez. Cette énorme avancée, hein, qu'a concédé le système, eh bien là c'est notre vote sur le traité constitutionnel donc européen, où vous vous rappelez, on avait dit non à une majorité, hein, de presque 55%,
Eh bien, sachez, et c'est énorme, on peut considérer ça comme énormissime même, que Édouard Philippe a reconnu publiquement, et donc pour la première fois que un représentant de l'État le reconnaît, a reconnu publiquement que c'est ce nom qui a été confisqué aux Français a été une erreur, qu'il n'aurait jamais dû confisqué, hein, enfin non respecté. Ce nom n'aurait jamais dû être non respecté. On aurait dû respecter notre nom au référendum sur le traité constitutionnel donc européen. Et ça, je ne sais pas comment on peut l'interpréter autrement qu'un énorme mouvement de panique général, on va dire. C'est quand même 1000 fois mieux que 20 euros sur le SMIC, les amis, hein. Vous voyez ce qu'on arrive à nous reconnaître, à nous concéder, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Ça vaut 1000 fois mieux que de l'argent, hein. Alors, je voulais donc vous parler de ça. Et mes chers amis, ce que je vous propose, c'est que je vous salue. Et donc, vous savez qu'on continue sur Messenger toute la journée. On est sur Messenger. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Messenger, mes groupes Messenger au travers du lien qu'il y a sur la publication, sur le live, vous avez un lien. Voilà, je vais vous saluer, donc je reprends depuis le début, comme je vous l'ai promis. Permettez-moi de prendre une gorgée d'eau. Hop, alors. Alors, Lily V, bonsoir et bonne nuit. Nabila Gomez, ma chère amie, tu dis tu es dégoûtée, il vaut mieux être pédophile que de taper sur le bouclier d'un CRS, rien ne va. Parfaitement, hein, parfaitement. Ils sont en liberté, les pédophiles, et même très très bien rémunéré et avec une solde et une retraite enviable, très enviable, hein. Donc Nabila Gomez, bonsoir et bonne nuit. Gérard Lacoste, CH François, Gilbert Chabrol, Pat Patou, Anto Lori, Felice Valérie, bonsoir et bonne nuit. Mathilde Aziza de Carvalho, bonsoir et bonne nuit. Fabrice Denis Tché, bonsoir et bonne nuit. Élise QT, bonsoir et bonne nuit. Tous mes amis sont présents là, j'ai l'impression, ce soir. Mélanie Casas, bonsoir et bonne nuit. Johanna Duvivier, alors est-ce que j'ai vu Gérald Lacoste, voilà, je t'ai vu, mais c'est pas grave. Johanna Duvivier, Gérald Lacoste, bonsoir et bonne nuit. Tiens, Katia Van Fanel, on a discuté tout à l'heure, bonsoir et bonne nuit, ma chère amie. Pic Francou, Marie-Louc Darms, bonsoir et bonne nuit. Ensuite, Franck Chase, est-ce que c'est toi, Franck? Bonsoir et bonne nuit, Franck. Ensuite, Felice Valérie, je ne sais pas si je t'ai salué.
Tiens, subtil Ben, ma chère amie, bonsoir et bonne nuit. Qui d'autre? Alors, on a deux VK. VK, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Il Dream Baki, bonsoir et bonne nuit. Fabrice de Nice. Tiens, Samir Guénoun, mon cher ami. Ah non, j'ai pas disparu de la circulation. C'est que tu étais sur mon profil principal Facebook, mais j'ai continué à donner un live tous les soirs depuis ce profil de secours. Malheureusement, tu n'étais pas au courant, Samir Guénoun. N'hésite pas à me rejoindre sur ce profil donc de secours. Bonsoir et bonne nuit, Samir Guénoun. Pareillement pour Eldrim Baki depuis donc VK. Qui d'autre? Allez. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que tu me disais, je ne peux pas là rentrer dans les détails, mais chant catalonique, bonsoir et bonne nuit. Alors, tiens. Jean-Laurent Lorenzo Nado. Donc, je te connaissais pas, mais je vois que tu dis on appelle ça dictature. Nous sommes d'accord. Bonsoir et bonne nuit. Alors, tu Lille BX. Bon, bah, toi tu arrives et tu confortes donc la manipulation. La fake news, et tu dis il sort, c'est sûr, dans 5 jours maximum. Bon, tu peux dire ça, de toute façon, qui va te demander des comptes s'il sort pas dans 5 jours? Eh bien, écoute, malgré tout, bonsoir et bonne nuit, que veux-tu que je te dise? Quand on veut rester enfermé dans sa bêtise, lorsque le sage montre la lune, allez, je vais pas être irrespectueux, mais on va dire, celui qui ne veut pas réfléchir, pour pas dire un autre mot, voit le doigt du sage, il voit pas la lune. Allez. Chapa Chabanon Esteban. Bon, allez, bonsoir et bonne nuit. Ensuite, donc Gilet jaune, tu as inquiété un peu mes amis, mais tu me parlais de l'arbre de Noël. Je t'ai répondu, bonsoir et bonne nuit. Alors, Elisa Fernandez, tu dis taxi G7 en grève. Bonsoir et bonne nuit. JP Ignel, bonsoir et bonne nuit, on a déjà parlé. Laurent Vormus, bonsoir et bonne nuit. Rical, mon ami, tiens, Rical. Rical, bonsoir et bonne nuit, mon ami. Cathy, je t'ai vu. Béatrice Chauvet, bonsoir et bonne nuit. Jamie J, mon ami, bonsoir et bonne nuit. Alors, est-ce que... tiens, Marie Lefebvre Tavernier, mon ami. Bonsoir et bonne nuit. Patrick Rimlinger. Merci à toi pour ton soutien.
Bonsoir et bonne nuit. Qui d'autre? Est-ce que j'arrive à la fin? Je ne peux pas vous lire, mes amis. Hein. Juste, je regarde vos noms. Je ne peux pas vous lire. Tiens, Farida Medda. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bonsoir et bonne nuit, Farida. Il faut que j'arrive au bout avant de dormir là sur le live. Hein. Allez. Mathilde, je t'ai vu. Voilà, très bien. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, mes chers amis, toutes celles et tous ceux que je n'aurais pas salué, hein, je vous souhaite vraiment de passer ce qu'il reste de nuit, de vous reposer surtout, et de passer une bonne journée de demain, donc jeudi. C'est d'ailleurs la Saint-Valentin, hein. Cette fête commerciale qui n'a pas vraiment de sens. Parce que les gens vont vont s'aimer le 14 février, et je sais que c'est une caricature, mais ils vont s'aimer le 14 février et puis se mettre sur la tranche le restant des 364 jours de l'année. Je sais que c'est extrême, mais vous avez compris mon idée. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle Saint-Valentin à ceux qui sont seuls d'abord, mais aussi à ceux qui ont trouvé l'amour, ceux et celles bien entendu. Mes chers amis, je vous dis à dans la journée sur Messenger, et puis à ce soir sur le live. Allez, mes chers amis, il n'y a de bonne compagnie qui ne se quitte, et elle est dure comme tous les soirs, mais nous n'avons pas le choix. Il faut recharger les batteries, mes amis. Bonne nuit, mes amis.